coup. Allez, on va aller voir ce qui va se passer pour toi d'ici les 3 prochains jours. J'ai changé un petit peu la configuration. Alors, je pense que vous verrez les cartes à l'envers. Et pour le coup, je vous les interprète avec les canalisations qui vont avec. Petit aparté, sur certains réseaux, il y a plein de jolis comptes qui se font passer pour nous. On n'en a qu'un seul sur chaque plateforme. Ceux qui connaissent savent, on ne s'abonne pas à vous. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous demander un vocal, parce qu'en plus, ils se permettent de se servir de notre numéro de téléphone, mais de changer. Bref, en tout cas, ils ne sont pas très malins. Faites attention, hyper important. Dites-moi si cette config vous plaît, si ça vous va, si vous préférez l'ancienne. N'hésitez pas. Allez, on te parle de temps pour toi. Donc pour le coup, j'ai les deux mains libres et c'est top. Tu vas avoir soit un nouveau contrat, soit il y a quelque chose que tu attends. Un nouveau boulot, peut-être un bail pour un logement ou bien une signature pour une maison. Ça peut être un pacte, un mariage. En tout cas, on peut être aussi là-dessus. Il y a en plus, on voit que tout n'était pas gagné dès le début. Que c'était quand même un petit poil compliqué, mais malgré tout, la route reste sinueuse, mais elle s'élargit, donc tu vas pouvoir voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Ouais. Ça crée beaucoup d'inquiétude, hein, le fait de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir sur quel pied danser, peut-être en lien avec une situation ou bien une personne. À toi, pour le coup, d'adapter. Pareil, comme d'habitude, prends seulement ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, tu ne le gardes pas. Si ça ne t'intéresse pas, tu sois, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps non plus à mettre des commentaires négatifs. Ça n'a aucun intérêt. Après, tu vis pour ce que tu es. Allez. D'accord. Eh bien, quelque part, tu vois, tu ressors ici comme étant plus en couple. Tu vois, il n'y a plus cette sensation de consultante, ni de consultant. Vous êtes deux personnes, peut-être un petit peu en distance, en silence, et que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, il y a un cadeau que tu vas avoir. Proposition, cadeau, ou bien déclaration. Très en accord avec ce que tu as ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme dans ton entourage, en tout cas une énergie plutôt masculine, qui te guette. Tu vois, ah, en fait, tu les as dans le bon sens, c'est top. Il y a quelqu'un qui te guette. Et en fait, c'est une personne qui te voit, mais que tu ne vois pas. Alors, ça peut être annonciateur de si c'est un nouveau contrat professionnel, qu'en fait, il a besoin de prendre le recul et de prendre sa décision par rapport à toi. Ça peut être ça. Ça peut être une personne qui s'est éloignée de toi. On est sur la fin d'un cycle. Une personne qui s'est éloignée de toi et qui a besoin de recul pour savoir exactement ce qu'elle souhaite. Ben, ce qu'elle souhaite, c'est ça. Regarde. On parle d'une fleur qui s'épanouit au sein du foyer. J'ai envie d'avancer avec toi. En tout cas, je sens qu'on a des atomes crochus et qu'on peut peut-être faire affaire. Ça peut être professionnel ou bien sentimental. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place. Là, là, en tout cas, cette personne, elle le veut. Pour l'instant, elle est dans l'espace. Je te guette, hein. Je ne donne pas trop signe de vie. J'ai besoin de prendre le temps. Bah, ouais, ok, vas-y, prends ton temps. Il prend son temps parce qu'il a souvent été trahi et en fait, il n'a pas toujours donné la confiance aux bonnes personnes. Donc, professionnel, ça peut être un futur patron qui, pour le coup, avait réellement besoin de prendre le temps de savoir ce que tu vaux pour pouvoir avancer avec toi. Il n'a plus envie d'avancer avec des fausses personnes. Sentimentalement, on est sur le même plan. Il s'est fait trahir, il y a eu beaucoup de complications dans ses anciennes relations et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne veut plus. Donc, il y a aussi cette notion de temps pour pouvoir avancer avec toi. C'est plutôt positif quelque part. C'est quelqu'un qui pose les choses. Il ne va pas trop vite. Bien. Abondance sur toutes les sphères de ta vie. Amour, santé, travail, relationnel, peu importe ce qui t'inquiète, on te parle que les choses bougent. Et en plus, elles sont confirmées avec ça. Donc, pas de panique. Ah, il y a la sensation de trahison quand même. Hein. Il y a son ancienne relation qui fait écho en lui ou son ancienne relation avec son ancien salarié qui fait écho en lui
avec qui il y a eu la séparation, de la tristesse et beaucoup de désillusions. Et on voit bien que cette personne-là, elle n'a pas envie de recommencer les mêmes choses, elle n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Retiens quand même qu'il y a quand même quelque chose de positif. Ne t'inquiète pas, en fonction de ce que je suis en train de dire, c'est que ça fait écho dans le sens où il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au jour d'aujourd'hui, en fonction de la décision qui sera prise, je ne peux pas te proposer un CDI. Je ne peux pas te proposer quelque chose de sûr. J'ai besoin d'avancer avec toi, mais ça peut très bien rentrer en ligne de compte pour une relation. J'ai envie d'avancer avec toi. On est encore sur quelque chose de précaire. Il y a les chiffres. En gros, même en amour ou relationnel, je suis prêt à avancer avec toi, mais pour le moment, on partira peut-être sur de l'intérim ou du CDD, tu vois, dans le genre où il ne se positionne pas véritablement par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne veut pas que les choses fonctionnent. Attention, là, il veut vraiment prendre le temps de poser les choses par rapport à toi et savoir si vous avancez tous les deux dans la bonne direction. Alors, ça peut mettre en toi beaucoup de questions, mais ne te pose pas non plus mille et une questions. À un moment donné, si tu ne fais pas le premier pas, tu ne peux pas avancer. Ce qui est sûr, c'est que cette personne pense à toi, elle a envie d'avancer avec toi, mais elle est encore en train de se poser des questions, savoir comment on va pouvoir établir quelque chose de confiance tous les deux. C'est plutôt chouette quand même. Bon, d'accord. Ok. Bon, regarde. La période de temps, elle est sortie tout à l'heure à ta coupe. Elle est toujours là. Donc, on est sur quelque chose quand même qui est sur maxi 3 mois. Ou pas. En fait, on est sur... Le temps est toujours compliqué à estimer. Ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir rapidement de ces nouvelles. C'est quelqu'un avec qui tu pourras clairement avancer. Tu vois, il y a le serrage de main. Il y a l'ami qui est là. Et il y a l'élévation sociale, spirituelle, émotionnelle, sentimentale. Donc, te pose pas mais une question à un moment donné. Bah, toi aussi, ose faire le premier pas. Apaise tes mots qui sont là, pour pouvoir avancer avec bien plus de sérénité. Donc, prends le temps. Mais en tout cas, on voit bien que les choses pour toi, elles évoluent clairement dans le bon sens.